j'ai réussi à battre le The Beast sur GTA 5. Il fait extrêmement difficile à battre. Vraiment, il est très récent ça. Et j'ai réussi à le battre sans cheat. La technique, c'est genre du fast coup de poing, on va dire. Genre, du sprint fist. En gros, tu commences à sprinter vers l'ennemi, puis là, tu spams le bouton de sprinter puis de coup de poing, puis là, ça va frapper full vite. Et je vais monter les points, les inconvénients du Bigfoot, puis les points forts du Bigfoot contre ceux de la bête. Alors d'abord, le Bigfoot, il est très résistant. J'ai déjà testé, ça lui a pris 5 minutes et 35 secondes pendant que j'avais 3 étoiles ou 4 étoiles, puis toutes les polices étaient autour de moi, il me canardait, j'arrive pas à parler, je fous les mules, là. Il me canardait de tous les sens. Ils ont réussi à me tuer après 5 minutes et 35 secondes. Donc c'est très résistant, sans code de triche. Et il a une super force, c'est-à-dire qu'il peut frapper, mettons, le camion qui est juste en face. Puis, comment dire? Bon, là c'est pas tant important. On vient de le voir, là, mais... Wow! Lui, il est plus petit, ça va être plus visible. Non. Voilà. Et regarde ça. Et tac, one shot. Mais le problème, c'est que lui, il saute pas haut. Genre, il saute normal. Puis, il n'y a pas de radar en bas à gauche. Là, je vais changer en appuyant sur le joystick droit et gauche. Et là, j'ai lui. Et déjà, il y a la super vitesse. Il y a le super saut. Merci, c'est très gentil. Donc la super vitesse. Le super saut qui a une animation super cool. Le radar, oui. Il y a pas un radar en bas? Ah ben voilà, là il est. On peut pas aller à la... Comme j'ai dit, les points faibles du Bigfoot, c'est que lui, il a pas le radar, il va pas vite, il saute pas haut. Mais lui, il y a juste... Tu peux pas te mettre en première personne. Tu peux pas utiliser ton téléphone, c'est à peu près les points de tir. Mais genre, tu seras toujours aussi fort. Puis, à la place de one shot, enfin, tu one shot toujours, mais regardez bien ça. Non, raté. Tu le knockback. Tu knockback les personnes trop loin. Alors qu'avec le Bigfoot, je vous rappelle, ça va être meilleur si je fais un exemple. Bon, c'est peut-être pas sur la voiture que je voulais faire ça. Aïe. J'ai mal au pied. J'ai mal. Voyons! J'ai rien dit. Le radar il était là en tant que Bigfoot. C'est juste que je suis trop content pour l'avoir vu. Apparemment. Ah non, il l'a pas, mais il genre. Il est seulement. J'ai l'impression qu'il est seulement actif avec la baille. Ok, c'est le côté. Donc lui, je vais faire rappeler. Lui il fait juste one shot. Lui, il one shot, puis il knock back. Et donc quoi, c'est à peu près les points de suite.